Allez, on est début août et donc comme d'habitude, c'est parti pour le calendrier des sorties jeux vidéo. Et après un mois de juillet relativement calme et très très chaud, va falloir surtout attendre la fin du mois d'août pour le retour des nombreuses sorties. Bon, et comme d'habitude, bien sûr, je compte sur vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous les tests de jeux que vous souhaitez voir. Vu que je vous fais la liste des plus grosses sorties, profitez-en. Le mois va démarrer en trompe pour les joueurs PC puisqu'on pourra découvrir dès le 1er août les aventures de Kazuma Kiryu avec Yakuza 0. On a là ici un préquel du premier Yakuza et la licence va arriver pour la toute première fois sur Steam. Et pour le coup, même si la version 4K et toutes les autres améliorations graphiques vont forcément faire plaisir, la bonne nouvelle c'est qu'avec les futurs mods de la communauté, y en aura forcément qui vont proposer une traduction française un jour ou l'autre. Et ça franchement c'est cool. Il y aura d'autres jeux qui vont venir sur PC en début de mois, comme This is the Police 2 ou encore les extensions pour Endless Legends et Endless Space 2, mais on va surtout se tourner vers la date du 7 août. Parce que oui, à cette date-là, si on met de côté l'habituelle franchise Madden NFL qui va revenir pour un épisode 2019, il y a deux pépites de la scène indé qui vont arriver. Le premier, c'est Dead Cells, que vous avez sans doute déjà entendu parler, vu qu'il est en Early Access sur PC depuis un petit moment. Le jeu, qui est développé par des Français, va sortir sa version définitive ce 7 août et arrivera en même temps sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On a là un mélange entre Roguelite et Metroidvania, et le jeu s'était quand même vendu à plus de 700 000 exemplaires rien qu'en Early Access. Et vu les excellentes évaluations, si vous aimez le genre, je pense que c'est du tout bon. Et l'autre jeu à retenir, c'est Overcooked 2. Le premier était excellent et celui-ci va reprendre exactement les mêmes mécaniques, du coup, ça s'annonce déjà très très bien. Rapidement, si vous connaissez pas Overcooked, mettez votre tablier, votre toque de chef et allez hop, direction les fourneaux. Le but est de gérer en fait sa petite cuisine et d'enchaîner les plats qu'on nous demande dans un laps de temps le plus court possible. Fun, accessible, délirant, je peux vous dire que ça promet de sacrées soirées en coop. Et ça, c'est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il y a encore un autre portage PC important ce mois-ci et qui a le mérite qu'on s'y attarde un peu, c'est Monster Hunter World. Avec quand même plus de 8 millions de jeux vendus sur PS4 et Xbox One, Monster Hunter World arrive sur PC avec le plein d'améliorations graphiques et une optimisation au poil avec tout un tas de paramètres. En plus, le 2 août, on aura même droit à une collaboration avec Final Fantasy XIV pour chasser le terrible Behemoth. Le 9 août, on pourra aussi mettre la main sur City of the Shrewd, un RPG prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Bon, apparemment, on nous dit que les choix seront au cœur de l'aventure et on y incarnera un héros qui va devoir choisir ses alliés pour défendre une ville au bord de la guerre civile, mais aussi de monstres venus d'une autre dimension. Bref, c'est un sacré programme presque aussi chargé que le topo de We Happy Few, qui lui sortira le 10 août sur les mêmes consoles. Après une longue période d'accès anticipé et le rachat du studio par Microsoft, We Happy Few va nous plonger dans une ville où les habitants succombent un à un à une drogue étrangère. Faudra alors se frayer un chemin parmi eux et percer les secrets de cette drôle de société. Direction maintenant le 14 août qui marquera le début de la fin pour Clémentine avec la quatrième et ultime saison de The Walking Dead. 6 ans après le début de l'aventure qui avait clairement marqué pas mal de joueurs, la série arrive au bout et forcément on y attend beaucoup. Surtout qu'il s'agira ici du tout dernier jeu développé par le moteur maison du studio et les développeurs nous ont promis des jeux de meilleure qualité maintenant. Bref, vu que The Wolf Among Us 2 et Stranger Things devraient arriver l'année prochaine, ce sera peut-être l'un des seuls jeux de Telltale pour cette fin d'année. Et franchement, je ne sais pas vous, mais je suis pas encore prêt à faire mes adieux à Clémentine. Si vous aviez arrêté World of Warcraft, ce sera peut-être le moment de s'y replonger avec l'arrivée de l'extension Battle for Azeroth. Et pour le coup, les nouveautés s'annoncent vraiment nombreuses. On pourra alors aller jusqu'au niveau 120, parcourir les continents de Kul'Tiras et de Zandalar, un nouveau raid, 10 nouveaux donjons, des races alliées à débloquer, des nouveaux modes de jeu avec les îles inexplorées et les fronts de guerre, bref, clairement, il y a de quoi faire. Alors si vous voulez vous relancer à l'aventure, je pense que c'est clairement le moment, surtout que le gros patch de pré-lancement, la version 8.0, est déjà disponible. Ah et au fait, jette peut-être un peu d'huile sur le feu, mais pour la horde! Le 15 août, ce sera la sortie de State of Mind, un petit jeu indépendant qui va nous plonger dans un univers cyberpunk. On sera alors envoyé dans un décor berlinois de 2048 et on va y incarner Richard Nolan, un journaliste. Il va alors se battre pour son avenir et celui des autres dans un monde où des guerres interminables ont éclaté. Du coup, le gouvernement a décidé de régler tous ses petits problèmes avec la technologie et ça va vite tourner au complot. Il y aura des sous-titres français et le jeu est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Alors qu'on a tous autant d'inquiétude que d'excitation pour Shenmue 3, Sega va nous offrir une petite mise en bouche avec la compilation HD de Shenmue 1 et 2. C'est donc prévu le 21 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et on pourra revivre les aventures de notre héros en 4K, en HD et en 60 FPS. Il sera même possible de choisir soit les commandes modernes, soit les commandes de l'époque et on aura aussi du sous-titrage français et le doublage japonais.
Ensuite, eh ben on sera à la Gamescom. Bah ouais, hein, je profite du calendrier, c'est vrai, mais sachez qu'à cette période, eh ben on sera en Allemagne. On va donc suivre l'un des plus gros salons du jeu vidéo et on vous partagera plein d'informations exclusives, des interviews et bien sûr plein d'impressions sur les futurs jeux. Bah quoi, après tout, vous avez votre agenda de sortie, alors autant en profiter, non? Je vous reparlerai un petit peu de ce qu'on prévoit, mais profitez-en aussi pour noter la sortie de F1 2018 le 24 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La licence annuelle de jeux de course va donc revenir pour un tour et se base évidemment sur le championnat officiel de Formule 1. On nous promet un mode carrière encore plus riche que d'habitude et on aura aussi 20 voitures classiques disponibles. Bon, après, hein, pour la fin de mois, on va avoir une multitude de jeux qui vont sortir. Et le 28 août, va falloir s'accrocher. Déjà, on pourra retenir la sortie de The Universe Sim sur PC, un jeu de gestion, un jeu de cartes, Le Seigneur des Anneaux, qui va arriver en Early Access sur PC, ou encore Firewall Zero Hour, un nouveau jeu à destination de nos PlayStation VR. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on aura aussi droit à la version Ultimate de Monster Hunter Génération sur Switch. Sortie d'abord sur 3DS, puis sur Switch uniquement au Japon, la série avait un petit peu attendu l'arrivée de Monster Hunter World avant de venir en Europe. Finalement, on va se retrouver avec un épisode qui revient un petit peu aux sources, avec un contenu colossal et plus d'une centaine de monstres à chasser. Bref, il y aura de quoi faire, si vous aimez la série, ce sera l'occasion de s'y plonger. Le 28 août, on va encore reparler de Kazuma Kiryu, parce que oui, Yakuza Kiwami 2 va arriver sur nos PlayStation 4 et ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'histoire d'un des meilleurs épisodes de la saga. Grosso modo, hein, si vous avez déjà joué au premier Yakuza Kiwami sorti l'année passée, c'est à peu près la même chose ici au niveau des changements. On a une grosse refonte de l'ensemble avec un nouveau moteur de jeu, un gameplay plus dynamique, de nouvelles activités, enfin bref, le dragon de Dojima va devoir résoudre une sordide histoire de meurtre et il compte sur vous pour ne pas que celle-ci tourne au massacre. Et non, c'est pas encore terminé pour la date du 28 août, hein, on a encore 3 autres jeux qui vont arriver. Déjà, on pourra compter sur Strange Brigade, un shooter coopératif sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ambiance égyptienne, scorpion, momie, il faudra alors partir en groupe de 4 aventuriers et explorer des tombeaux pour faire face à des hordes d'ennemis. On aura aussi un mode solo, mais clairement le titre est taillé pour la coop. Puis on aura ensuite un autre concurrent qui va rentrer dans le ring des jeux de combat, Blade Strangers, prévu sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch. Le jeu de baston va mélanger des personnages issus de plusieurs jeux, notamment de la scène indépendante comme Shovel Knight, Binding of Isaac ou encore les personnages de Kev Story, et pour le coup, ça nous fera un casting assez original. Et le même jour sortira aussi Little Dragon's Café, un jeu qui sera quand même bien plus reposant. Ici, il faudra alors gérer son petit café en compagnie d'un dragon qui va évoluer au fil du temps. Pour le faire grandir tout en faisant prospérer notre affaire, on va alors devoir partir à l'aventure et récolter différents matériaux. Bref, rendez-vous sur PlayStation 4 et Switch pour celui-ci. Bon, c'est quand même difficile de parler des sorties du mois d'août sans m'arrêter sur PES 2019 et Two Point Hospital. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur la licence PES, hein. Le jeu de foot n'arrivera que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 30 août et compte bien continuer sur la même lignée que les épisodes 2017 et 2018 qui avaient quand même déjà prodigué pas mal d'efforts. Malgré la perte de la Ligue des Champions ou encore de l'Europa League, PES 2019 affiche quand même énormément de partenariats et devrait grappiller encore quelques licences. Bref, on y a déjà joué, nos impressions ont été quand même vachement bonnes, on verra bien à sa sortie définitive. Pour ce qui est de l'autre jeu, donc Two Point Hospital, c'est plus ou moins un successeur à Theme Hospital qui était sorti il y a une vingtaine d'années. Il faudra alors créer son hôpital, guérir les patients, gérer ses salariés et bien d'autres choses encore. Bref, le rendez-vous est pris pour le 30 août sur PC. Enfin, la dernière date à retenir, ce sera donc le 31 août. On aura droit à la version Switch de God Wars, ainsi que les versions PlayStation 4 et Xbox One du génialissime Divinity Original Sin 2, mais si on met de côté un petit peu les portages, eh ben on va surtout retenir le retour du plus célèbre des ninjas avec Naruto to Boruto Shinobi Striker. Alors le jeu est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et il va clairement s'orienter vers un gameplay multijoueur. On aura des matchs en 4 contre 4 et plein de modes de jeu qui vont avec. On va alors retrouver Sakura, Naruto, Kakashi et tout ce qu'on connaît déjà, mais il sera aussi possible de créer notre propre personnage et de lui assigner des techniques comme le Rasengan ou encore le Chidori. Bref, coopération, teamplay, la série prend un tout autre virage. Avec l'héritage des excellents Ultimate Ninja Storm, va peut-être falloir ne pas se montrer trop exigeant pour apprécier celui-ci. Et voilà, le calendrier est terminé. Bon, comme d'habitude, hein, je compte sur vous, dites-moi dans les commentaires ce qui vous fait de l'œil, et bien sûr les jeux que vous voulez voir en test sur la chaîne. Et profitez-en, hein, dites-moi ce que vous avez acheté aussi en juillet. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien, et ciao tout le monde.